C'est le printemps, oui, pour la diaconie. On est tous frères, on est unis dans l'espérance, la diaconie. On voit l'aurore d'un temps béni. Nous avons été appelés pour être les porte-parole de ces personnes exclues, rejetées, pour que les plus pauvres, les plus fragiles trouvent leur place dans l'Église. On a tous donné la mission d'apporter notre voix et nos paroles pour aider à construire ensemble ce printemps de la diaconie. Prions pour tous les absents à ce rassemblement du printemps de la diaconie, ceux dont personne n'a trouvé les mots pour les inviter, ceux que je n'ai pas osé inviter, de peur qu'ils voient ma fragilité et qu'ils en profitent. Prions pour ceux qui ont été empêchés de venir à cause d'un handicap, de la maladie, de la misère, pour les enfants qu'on harcèle à l'école, pour les prisonniers. Prions pour ceux qui ne sont pas là car ils occupent un parent malade, ceux qui sont bénévoles dans une association, ceux qui font du bien là où ils sont. Oui. Gaël, Evelyne et Bénédicte. Mélissa. Vous voyez qu'il était tombé, il était tout rouge. On sentait qu'on était rangé. Ça faisait pareil. J'ai pas bien dormi, ça va. Oui. Marthe, t'as fini pas. Il a pressé de liberté aussi. Effectivement, c'est une carrière. Ce qui s'est passé, il y a de quoi être complètement découragé. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est incroyable en fait. Et j'espère que un petit signe est pour lequel elle se saisit au fond. Je suis un faux breton, j'habillais comme un breton, mais je suis déguisé en breton là. Omelette géante, regardez ça. Venez manger l'omelette. Vous nous suivez là, on y va. Venez. On y va tous. D'accord. Merci. C'est dur, on va y arriver. Oui. Allez. Allez, salut papa. Merci Christine. Bon voyage. Si on n'est pas arrêté en route tout à l'heure. Nous sommes à la Dorade. Alors pour ceux qui n'ont pas pris le train ni le triporteur, il y a l'apéritif ici devant la pasto étudiante de Toulouse. Beaucoup de autres livres que... Thank you.
très bon. Justement, comment on fait, d'un point de vue concret, pour être dans cette posture d'écoute des pauvres, de recevoir quelque chose des plus fragiles? Je dirais le premier pas, c'est de se prendre des baffes et de faire des erreurs. C'est la confiance pour réparer ces erreurs qui nous permettent ensuite de grandir ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois que je regarde un groupe d'oiseaux s'envoler, je m'émerveille et ça me prend une telle joie de les voir s'envoler que ça, j'oublie tous mes soucis. Et qu'ils auraient pu très bien me dire, ah, celui-là, c'est qu'un clodo, c'est qu'un clochard, c'est qu'un alcoolique, on va, c'en est qu'un parmi d'autres, on va le laisser sur le trottoir. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été venus à ma rencontre et ils ont cherché le pourquoi et le comment de pourquoi j'en étais arrivé dans cette situation-là. À partir de ce moment-là, j'étais dans l'obligation, enfin, si je voulais moi-même me sentir soigné, si je voulais commencer à entamer des soins et aller vers l'avant, forcément il a fallu que je libère quelque part mes émotions et tout ce qu'il fallait de plus profond de moi-même. Très heureuse de recevoir des personnes de tout lieu, non seulement du diocèse, mais de la province. Merci Seigneur. Vous voyez, là, les fruits de la graine qui a poussé. Le pas des premiers fruits de la graine qui a poussé. Oh, c'est beau c'est beau la graine. Hein, c'est beau. Bonne soirée à tous. Et dans ça, la tête. Oula, attention. Tu surveilles le monde. C'est bien ça. De bonheur. Pour toi, qui est-il? À partir du moment où vous le dites à Dieu lui-même, eh bien c'est de la louange. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Donc voilà, je voulais vous témoigner que la prière, c'est un combat. Pour tout le monde, mais quand on prend au sérieux ce combat-là, eh ben, je vous assure, ça apporte du fruit. Et avant de porter du fruit pour les autres, ça porte d'abord du fruit pour soi-même. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
confiance, oui, la confiance. La confiance, oui. Ma grâce te suffit. Oui, je suis pénible, je sais, mais en même temps, c'est une réalité. J'aimerais bien que... Que ça se reproduise dans le diocèse. Qu'il y ait moins de pauvres sur terre. On va coller les fruits de ce week-end. C'est bien. Je mets mes roses. Juste parce que c'est pas Noël. Bonne célébration à tous et que la joie du Seigneur habite nos cœurs. La foi, c'est pas de croire des choses sur Dieu, c'est de croire que qu'il est vivant et que nous sommes avec lui parce que lui demeure en nous, comme nous dit l'Évangile. C'est une relation vivante, personnelle, que l'Esprit-Saint vous fortifie, qu'il vous donne encore l'assurance de la foi et de la joie. Amen. Que toute rencontre dans la rue, avec la prison ou auprès des personnes fragilisées, nous permette de te voir, Seigneur, vivant. L'Église a besoin de chacun de vous. Ça permet de dire des choses qu'on a besoin de dire. Quoi. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est vous. C'est bien. J'ai trouvé tout bien. C'est pas l'Église, c'était nous pendant le printemps de la diaconie. Je viens pour le partage, pour être avec les autres. Du sourire, de la bienveillance, parler un peu, ouvrir son cœur. Je m'en fous de crever la dalle. Et l'Église, c'est nous aujourd'hui. Quelle chance de faire transformer, convertir l'institution. C'est petit pas par petit pas. On n'a que à recevoir. Eh bien non. La troupe, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a rien à donner, et particulièrement, c'est parce qu'on est pauvre qu'on n'a rien à apprendre à l'Église. Ça commence. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est pas une conclusion, c'est un départ.